quand tu es dans la voiture des gens là, c'est trop doux. Clément disait combien là. Ah, on a Clément disait déjà là, Jeff. Faut un big bis là, Robert. Voilà. Ce que vous avez remarqué dans ce temps-là, je roule en décapotable. Donc les gens, ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à se moins. Non, non, comment être flanné, je ne suis pas bon. Hein. Là, il est calmé. Oh, je suis avec un gars dans le bac là. Mais ne craignez pas, il n'y a rien. Amitié est là. Bon, à TV Comaira, il y a l'amitié et puis il y a politique. Son manteau là, c'est un vendeur de drogue. Ah, mais c'est vrai, non? Vous avez des preuves? On a les preuves. Donc, comme ça, il paraît que Dramane veut se présenter pour un troisième mandat. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, bon, Koulibaly, là, il n'était pas le candidat de Dramane Ouattara. Et puis Ahmed Bakayoko, là, il ne va pas le choisir. C'est-à-dire, il a mis Ahmed dans comment on dit ça? En Corée, on appelle ça le plognon. Il a mis Ahmed Bakayoko dans un plognon aujourd'hui. C'est-à-dire, le poste de premier ministre, là, s'il refuse, là, il va dire, ah, donc il faut quitter ici. Donc Ahmed est obligé, Ahmed Bakayoko est obligé d'accepter. Aïe, aïe. Ahmed Bakayoko, il est obligé d'accepter être premier ministre. Vous voyez, Bébéto là, vous-même là, vous les RDL là, vous allez donner raison, ils l'auront. Faut pas n'en foutre là, ne voit pas, c'est qu'on a mis faire pour bon qu'on a. Vous avez remarqué dans ce temps là, je tourne pas avec les souliers, hein. Les souliers, les ibras là, non. Ils ont avancé là-bas. Il y a qui n'aime pas bonnet. Goûtez ça. Goûtez ça. Le goût de ça. Attends, grand-mère. Non, on s'en fout de climatiser, nous. Pour climatiser. Donc, si Alassane Ouattara, il n'a pas le droit de se présenter, ça fait un. Deux. Le RDM m'a dit depuis longtemps qu'ils ont plusieurs gars là-bas qui sont déjà prêts pour succéder à Alassane Ouattara. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, Alassane Ouattara dit aux gens de signer pétition. Hé, levez, amène à bouillir, allez, enlevez ça dans toi. Moi, je ne suis pas pressé, j'attends seulement. J'attends. Il faut dire seulement que tu es candidat. Tu ne sais pas que c'est nous qui donne pouvoir. C'est nous là, on donne pouvoir. C'est pas toi qui décides. Bah, si c'est toi qui décidais, tu allais être président à vie. Mais comme tu ne décides pas, voilà pourquoi tu as demandé aux Ivoiriens de te voter. J'ai préparé beaucoup de vidéos comme ça. Il paraît que lundi tu as parlé, demain là. Tu viens commander, comment tu vas voir ce qu'on te dit. Et puis là, le respect qu'on a même pour toi actuellement là, tu dis net, Alassane Ouattara. Ça veut dire, dès que tu dis que tu es candidat là, on va te traiter comme un petit voyou. Au nom de Dieu, c'est pas amusement. Hein. Tu veux entendre des choses, tu as du koutoubou. Pourquoi j'ai fait ça? Faut pas te présenter là. Bon, si c'est pas à faire des drogues d'Ahmed là, tu pourrais le mettre. Mais là, si tu as mis Ahmed Bakayoko, d'Ahmed, ils sont en train de le tenir là. Ça veut dire, ils vont dire non, c'est toi qui es le patron d'Ahmed Bakayoko. Ils vont te dire ça clair. Donc peut-être même ils vont t'arrêter. Pourtant nous là, on ne veut pas qu'on t'arrête. Bah, si les gars t'arrêtent là, ils vont t'envoyer quelque part. Nous on veut que c'est la maca. Amène la cellule généralement donc. Hein. Non. Ça c'est votre choix. Non, bah, toi ton manteau là, il n'est pas bon. Faut même pas, il va rêver, puis il va appeler. Et puis il ne faut jamais faire signe à bébé toi. Hein. Il ne faut jamais appeler Guillaume Soro. Et puis toi, Guillaume, là, si il t'appelle, quest qui te proche, vous dites non, c'est le vieux, tout ça là. Non, ils t'ont loupé. Hein.
C'est parce qu'ils ne t'ont pas eu. Le rêve d'Alassane Ouédou là. Et puis, il n'y a pas de garantie pour toi pour dire non, si tu quittes le pouvoir, on ne va rien te faire. Non. Gangaya que tu as commencé là, on va continuer dans ça. Il ne faut pas arranger quelqu'un. Je ne veux même pas que tu viennes t'asseoir. Non, à cause de ça là, bon, j'ai laissé les gens pour. Eh, il n'y a pas fait de dire, ouais, ils peuvent rentrer. On va rentrer. Et puis, il n'y a pas arrangement dedans. Qui me le croit qui date nous? T'es allé tuer Moussique là-bas. Il mène au mort. T'es allé taper. Tu vas dribbler les Moussiques là, dans la cellule là-bas. Là. On te met avec les cartons noirs là. Où carton noir est là? T'as là carton noir blanc, non? J'ai pris carton noir, carton blanc, carton là. Bon ça. J'attends, comme il m'a comme ban. Donc, j'attends demain. Demain, allez là. Non, je suis dans ta sauce. Tumble le climat. Quoi, ma bebouyana n'a pas de qui a n'a que pâle. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût de ça là, il n'y a pas. Ah, non. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Comme si la Côte d'Ivoire appartenait à Alassane Ouattara. Il est arrivé quand en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara là. Depuis quand il est ivoirien? Que non, voilà, je dois me rassurer d'abord. Mais toi, tu n'étais pas là avant là. Non, on était tranquille. J'ai une question là, je voulais faire poste, mais je vais poser ici. Dites-moi, je parle des humains, je ne parle pas des moutons qui sont ici là. J'ai rien là. Moi-même, quand je vois les trucs comme ça, j'ai envie de payer moto et puis qu'à tout coco quoi. Même une tête à l'air. Non, c'est la loupe qu'on a baissé quoi. Ma question, qui a, ça dit, pour la première fois en Côte d'Ivoire, on parle des étrangers là, qui a envoyé en Côte d'Ivoire, vu Pékin Fou? Voilà, pour la première fois qu'on parle des étrangers en Côte d'Ivoire, ceux-là sont étrangers là. Qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Je vous pose la question. Nous, ici là, on paye un peu. Donc, mais si on peut pas payer ça comme ça gratuitement. Mais nous, il revient. Répondez à ma question. Voilà. Répondez à ma question. Pour la première fois, on dit ceux-là. Ce n'est pas les Ivoiriens là. Qui envoie en Côte d'Ivoire? Quand je vois que Wahem, on dit. Eh, Rada Béandé. Quand je vois les gens, ouais, Bédé est xénophobe. Il est xénophobe et puis en 2010, là, t'as la Woré. Bédé est xénophobe là. Et puis 2010 là. Et puis 2009 même là. Non, 2010. De 2010 jusqu'en 2015. Ou bien 2016 même là. Ouattara était, ça veut dire, il était devenu baoulé. Toujours, tu partais voir le xénophobe. Et puis j'ai regardé le gros cul, Adama Bitogo, qui dit non, que Kabila Denka ne pèse pas, ils n'ont pas d'influence. Mais pourtant vous avez bluffé avec leur nom. Pourquoi vous là, quand on vous quitte là, dès qu'on vous quitte net là, dès qu'on quitte votre groupe là, on dit non, il n'a pas de poids. Pourtant c'est vous, vous n'avez pas de poids. Poids là. Hey, Marc, on en a signé. Et puis dans ce temps-là, il y a... Ah, tu vois, un RITP. À quoi ben il est chef en quoi la Téchi? En que chef en, vous allez monter dessus là, à Téchi. Ah, là maintenant là, déjà j'étais dans voiture fermée, maintenant je suis dans décapotable. Donc, il n'y a plus de protection encore. Bon, il faut que j'arrête mes petites là, c'est pas bon. Je suis responsable maintenant, homme d'État. Si je fais ça là, mon peuple va dire quoi? Dire bonjour. Ouais, je suis un directeur puisque je fais direct tous les jours. Je suis devenu directeur. Hein? Oh, on est arrivé. J'aime pas. Oh là, tu es à Eurojambadou là. Parce que j'ai été capotable. Ne réussis pas quand il est en main. J'ai allé payer Mbélu. Non, mais non, Mbélu s'en fait rentrer. Car vous voilà. Et puis il paye par la pluie, c'est mal, quand il est plus mal à mon cas. Oh là là. Voilà, donc, un petit dégamage. Voilà, pour poser ma question. Cas de séjour, c'est cas de séjour qui a envoyé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été le premier à parler de cas de séjour. Si moi il dit bien jouer, pourquoi je suis vieux maintenant? Sinon, je me coupe. Si la vie est à reprendre, nous ne sommes pas footballeurs.
bateau est sans, il faut laisser. Il perd à cogner. Bon, il y a des gens qui fouillent sans voir ta voix, ben pour mon frère. Ni comme ça, ça qui fouille quoi. Je t'ai bon, mon frère, il sera encore là. Fais-le, fais-le, fais-le. Pour Nindo. Nindo vient quoi là. Il y a ma ordre en poubelle quoi. Je suis découragé. Après, on va aller prendre notre route. Là, il y a fait un long direct. Là, on fait au moins 10 heures à me dire là. J'ai un pays caméra. Oh, Raouika. Donc voilà, hein. C'était Del Puente El Mapuro. Quand on vous parle, vous pensez que hey, si cette communication là, on vous met. Quand il y a un peu de temps, ceux qui me traitent, voilà, c'est-à-dire un homme d'État qui n'a jamais mis pied à l'école, mais qui est dangereux en communication. Ah oui, il faut préciser. Très, très dangereux. Parce que moi, là, je suis comme moustique dans le noir. Quand je suis là, et puis je vais te piquer là, non, il était sous noir. Et puis il régifle son pao. C'est bon. Bon, le direct est fini. Comment on est arrivé là? On va arrêter le direct. Del Puente! Del Mapuro! Nous devons garder notre point de seconde. On allait payer Gibi. Attends, on prend maïs là. Tiens, il faut prendre maïs là. Bon, famille, on apprend. Non. Anniquer pour votre visite.